Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de la Vekenne à Washington, moi c'est Jacqueline Belizère. Yon plaisir, l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtienne. Aujourd'hui, c'est mercredi 15 mai 2024. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. États-Unis élection, président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump a paré pour un face-à-face dans deux débats électoraux avant l'élection présidentielle qui fixée pour 5 novembre 2024. Moyen-Orient, guerre Israël-Hamas, Nations Unies exhumé caisse hôtel sous présence force israélienne dans la ville Rafah. Et puis dans le pays d'Haïti, conseil présidentiel transition a paré pour considérer dossier plusieurs dizaines de monde qui déposaient pièces pour devenir premier ministre. Et autorité pays Bahamas a déporté 125 Haïtiens yodi qui t'a vivre sans papier légal sous territoire. Et c'est pour ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans un petit moment mais gros nouvelle là au niveau international trouvé dans pays Slovaquie. Dans pays Slovaquie, Premier ministre Robert Fico qui recevra jeudi à plusieurs balles élection président démocrate Joe Biden est toujours dans salle d'opération et les la ville en danger, nous capables dans image qui devant nous là, côté que Léo se voit plusieurs balles, il courit avec l'hôpital et ministre intérieur en parle, il a arrêté un monde tout, il a un suspect, il a arrêté, il courit avec dans hélicoptère côté que il mène dans l'hôpital et ministre intérieur Matous Soutage et Stock bail une conférence pour la presse côté que il dit la vie premier ministre là toujours en danger et nous capables et sous civière là il y a mené dans l'hôpital et dans moment n'a parlé là toujours dans bloc et opératoire là d'après information qui arrivait et vinn joine nous capables secourisio avec civière là qui a mené ni dans direction l'hôpital ça côté que la recevoir soin il était dans Andlova yon zone côté que il était participé dans une réunion les yon assaillant vini yo balé 5 balles gain qui prennent dans vente et yo dit situation son situation qui très critique et gain pile réaction qui sorti à travers le monde pour condamner Zaxila côté Premier ministre Robert Fico qui c'est un leader pour russe, eh ben, lui-même, lui recevoir balle, ça y est, 5 balles, et la vie, lui, qu'on y a, lui, la vie et la mort, et porte-parole, la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, fait qu'on est que Joe Biden, président, condamné, sa président, lui-même, relé, yon ignoble et attaque violence qui visait Premier ministre slovaque là. En plus, l'autre réaction, tout sorti à travers le monde, notamment gagné secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, n'envoie porte-parole organisation en parlant de Fahrenheit, les condamnés attaque là. Condamnation tout sorti bon côté chancelier allemand et Olaf Scholz qui dit son acte intolérable pendant que président pays a Susanna Kaputova, lui-même lui dit que c'est un bagage qui choquant qui veut. N'a pas rappelé premier ministre slovaque là, Robert Fico, qui gagne 59 ans, eh ben, t'es dans une réunion gouvernementale, les yon moun tiré en assaillant, fait 5 balles et prend 5 balles ça yo. Donc, tant qu'on nous dit jusqu'à présent, li nan bloc opératoire et la ville, li entre la vie et la mort, n'a pas suivi dossier ça pour. Et puis, ici, aux États-Unis, n'a pas les élection président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump y a paré pour faire un face à face dans deux débats électoraux avant que gagne élection présidentielle qui fixée pour 5 novembre. Gentil Augustin Junior gagne détail. Make my day, pal. Dans une vidéo sur compte X li. Président États-Unis Joe Biden lance un défi by ancien président américain Donald Trump pour y aller troquer cogno dans deux débats sous CNN et ABC dans mois juin et septembre 2024 qui vini là. Donald Trump lost two debates to me in 2020. Donald Trump t'a perdu deux débats en face moins dans l'année 2020. Depuis là ça, il pas présent dans aucun autre débat. Kounye ya, il agite en couli veut faire face à moins encore. OK, journée belle. Cependant, Biden a refusé trois débats, commission débat électoral des têtes États-Unis ont été proposés. Mais, il choisi pour faire face à face là, sans audience que l'organisation média a organisé. Jeudi mercredi à nan matin, Trump a exprimé des idées sous médias sociaux pour une plus grosse audience. Moi, vraiment recommandé plus passer des débats
Et puis, pour plus ambiance, yon pi gros espace. Bien que Biden t'a semblé peful, c'est seulement parce que li pa comprenn yo. Dim ki lè, mwen ap la, an pare pou yon lobey. Trump te dit tout que Biden te pi mauvais débatteur li te jam fè face. Li pa ka mette deux phrases ensemble. Biden li même te tout traîné Trump sous procès li k'ap continuer nan New York. Mais ki gen yon ti pose nan mitan semen nan. Et li ajoute, an choisi dat yo Donald. Li semble ke ou libre mercredi. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. N'a prêté toujours dans l'actualité internationale là et nous prenons dans la région Moyen-Orient, côté que présence soldats israéliens dans Rafah, eh bien, constitué yon caisse sautée, yon inquiétude pour en replacer dans les Nations Unies. Faut dire que Jean-Aubert Philippe, malgré inquiétude ça, et malgré caisse sautée ça, mais ça n'a pas empêché que soldats, yon même yon continue, eh bien, à entrer dans Rafah avec objectif pour yon remplir yon mission qui s'est éradiquée totalement à Hamas, selon le Premier ministre là, Benjamin Netanyahu, Jean-Aubert. Effectivement, je dis à c'est objectif final là. Parce que Benjamin, c'est tout autant que Hamas existait, et bien il a toujours représenté une menace pour Israël. Et c'est raison que fait les papes camper. Mais présent soldat autour qui est dans Rafah, qui est dans le sud, particulièrement, et qui est tout près frontière avec l'Égypte, et bien Israël continue à mener opération dans zone là, malgré inquiétude. Communauté internationale là, y compris États-Unis avec Nations Unies. Force à tant soldats israéliens ont entré pifon dans les villes Rafah dans le cadre d'opérations militaires pour déboulonner les 4 bataillons militants amassiaux qui prennent refuge dans la zone. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré la présence militaire dans Rafah a choqué. The Secretary General is appalled by the escalation of military activity in and around Rafah. Pour l'organisation internationale la Fahrenheit dit escalation activité militaire en dedans et dans alentour ville Rafah choqué secrétaire général là. Activité ça yo affecté accès à assistance humanitaire et puis yo empirer situation. Pendant ce temps, vidéo agence Nouvelle Reuters publiée montrait blessé avec cadavre qui a rentré dans l'hôpital Kouet là dans Rafah mardi 14 mai passé après une série d'attaques aériennes israéliennes lancées dans la ville là qui dans sur territoire Gaza. Jamal Al-Ham, ce docteur dans l'hôpital là, a déclaré honnêtement, femme dit, la situation est difficile, en pile. Dans ces avertissements contre continuation attaque ciblée, installation sanitaire a couru en pile risque dans l'est, l'ouest avec dans centrale Rafah. Pas gain médicaments ou bientôt article médical disponible, sans oublier gain, y ont raté produits pétroliers. Dans le jour qui passe, bataille en force israélien, avec militants Hamasio augmenté surtout dans notre territoire Gaza côté force israélien yo quoi yo té démantibilé militants Hamasio ça gagne plusieurs mois responsable israélien a déclaré raison qui fait yo retourner dans zone là c'est pour empêcher militants Hamasio reconstruire capacité militaire yo militants Hamasio publié une vidéo mardi 14 mai qui montrait combattants yo a attaqué tank israélien tout près ville Rafah. Agence Nouvelle Reuters, pas en mesure pour les vérifier à toute indépendance, côté vidéo a été enregistré et dans qui date. Zelame militant Amasio, brigade Kassam, déclaré, yon missile yon lancé détruit yon camion transport avec troupes israéliens. Attaque là, tout yon membre équipage là, et puis blessé plusieurs autres. Force défense israélienne pas de lui faire aucun commentaire sur nouvelle si là. Alliance internationale Israël avec groupe assistance humanitaire yon pas jamais suspendre ces avertissements contre invasion force israélienne dans Rafah, côté en pile monde à prendre refuge. Autorité israélienne quoi opération militaire nécessaire pour déraciner reste militant Hamasio. Dernier chiffre responsable la santé dans le territoire Gaza publié, rapporté, quantité de monde qui mourir dépassé 35 000. Autorité israélienne fait connaître 1200 Israéliens qui mourent en Israël, sans oublier plusieurs milliers d'autres Hamas Kembe en otage depuis 7 octobre, date militant Hamas a lancé opération dans plusieurs villages israéliens. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington.
Et puis toujours dans l'international, là, il y a un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui vient dans le deuxième jour, dans la visite que l'a fait dans Kiev, dans le pays Ukraine. Et c'est moment ça, tout que l'annoncé, l'autre assistance États-Unis pour Ukraine. Marie-Louise Pierre, il y a un détail. Secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken arrivé dans deuxième journée visite li dans Ukraine côté il était bailler une conférence pour la presse avec ministre affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba dans Kiev. Blinken assuré ukrainien yo que assistance en route. Nous pral bailler l'autre 2 milliards dollars dans financement militaire étranger pour Ukraine. Et puis nous mettez ça ensemble dans un fonds entreprise défense premier dans qualité ça. Et puis il y a trois éléments. Youn c'est baizam jodia, c'est comme ça ça pour aider Ukraine dans acquérisam sa yo. Deuxièmement, c'est concentrer tout sur un bagage que Dmytro Kuleba juste pas les souliers. Investir dans base industrielle défense Ukraine, aider renforcer même plus capacité li dans produits sa li besoin pour tête li. Et finalement, c'est via fonds ça pour aider Ukraine acheter équipement militaire dans leur pays, pas seulement dans les États-Unis, pour utiliser dans Ukraine. Bon côté pal, ministre affaires étrangères Ukraine nan Kuleba déclaré. Jodia, s'il y a là un problème clé, nous discuter, c'est pas seulement volume dans ZAM, ak munitions yo doué délivré dans Ukraine, mais tout vitesse là dans livraison, ça yo. Tout bagay doué arriver vite. ZAM yo doué venir vite, pour nous qu'à déranger offensive la Russie. Plan dans Ukraine, c'est empêcher plan agressif lié contre reste Europe là à communauté euro-atlantique là. Secrétaire d'État, les États-Unis, Anthony Blinken, dit États-Unis ensemble avec l'autre partenaire ukrainien yo déterminé pour assurer que Ukraine gain ça li besoin pour y réussir dans bataille contre évasion la Russie. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Louise Pierre au sous VOA Créole, on suivi un programme dans langue créole haïtien. Actualité à concernant le pays d'Haïti dans un petit moment, pas déplacé. Actualité dans le pays d'Haïti, moi c'est Jacqueline Bélisère, conseil présidentiel transition, paré pour le considérer dossier plusieurs dizaines de monde qui déposaient pièce pour venir premier ministre pays d'Haïti. Renato Saint. Conseil présidentiel transition a envisagé possibilité, même s'il n'est pas officiel, pour recevoir attendre chaque monde qui est intéressé à poste premier ministre là pour capable gagner l'idée de vision yo. Au pays d'Haïti, surtout dans sa guerre avec phénomène gangsterisation. Wavodou haïtien Augustin Saint-Cloud lançait appel pour demander sept membres conseil présidentiel qui gagne droit vote agir vite pour choisir premier ministre cap gain pour diriger transition. Arranger le plus vite que possible pour que nous connaissions qui ça a fait et pour nous gagner un premier ministre que ba besoin prendre qui est la prêler. Le premier ministre qui ont rassemblé, qui comprennent le terrain et qui a rassemblé tout Haïtien ensemble, indistinctement sans force côté. Indistinctement sans force côté. Pour tout le monde qui est à votre table là et pour donner une solution pour que nous capables vraiment à mener le pays à l'élection. C'est un dossier que VOA Créole a suivi. Oui, non, tout ça. Pour VOA Créole, Port-au-Prince. Pendant ce temps, il y a un président parti en avant, ancien député Jerry Tardieu, qui commentait quelques décisions conseil présidentiel la prend plus passé une dizaine de jours après l'y installer Yves Manuel. Parmi les décisions, le conseiller présidentiel a adopté une résolution qui accouchait une présidence tournante dans le conseil là, et puis il y a une majorité 4-7 là qui passait à 5-7. Sauf pour ça, dirigeant parti en avant, Jerry Tardieu, nuance et position. Quel que soit jeune viril là, nous gardons que conseil présidentiel là dérapé d'une façon qui va être sauté. Mais nous toujours dit ça, c'est pour une formule idéale. Mais comme nous ne pouvons pas chercher petite assemblée papa, nous pensons pas qu'aucun haïtien peut souhaiter que le conseil ça échoué. Nous avons demandé pour faire face à la responsabilité pour ça pour corriger et pour que vous capable de faire pays avancer. Pour payer avancé, prochaine étape là, c'est qui s'allie? C'est non mon premier ministre qui gagne compétence avec capacité pour mener le pays à l'élection après qu'il finisse de restaurer la sécurité. Ancien député Pétionville lancé un pinga by conseiller présidentiel dans ce qui gagne pour avec nécessité
pour le travail dans l'idée pour arriver combler attente population. Dans ce qui concerne nomination du premier ministre avec formation cabinet ministériel là, chef parti en avant estimé conseiller doit aller vite mais bien payant dans un état déplorable, ça qui mandé pour prochain chef gouvernement répondre à une série exigences. Au-delà de tout problème qui gagne avec conseil présidentiel là aujourd'hui, nous dit que nous considérons le conseil présidentiel là comme une porte d'entrée vers la gouvernance. C'est-à-dire que c'est à travers le conseil présidentiel là que nous sommes censés jouer un premier ministre qui répond à certains critères. Qui critères que nous avons? D'abord, nous avons que c'est une personnalité qui gagne, nous sommes capables de dire caractère. Son personnalité qui gagne courage. Son personnalité qui ne porte pas de canson pour belle toile. Son personnalité qui est capable de parler à tout le monde. Qui a pris un téléphone, quel que soit leader politique, là, leader syndical, leader secteur privé, leader secteur universitaire, leader jeunesse, leader paysan, leader femme. Il faut être capable de rassembler haïtiens. Dans ce sens-là, il faut être capable de communiquer tout. Enfin, M. Tardieu croit que c'est une urgence pour nouvelle autorité à aborder pressé-pressé question sécurité. Il faut que la vie retourne dans le pays d'Haïti. Pour cela, nous pensons que la police nationale, là, avec les forces armées d'Haïti, a besoin d'encadrement, un accompagnement. Et accompagnement ça, yo doué nous li. Côté maintenant autorité yo, c'est notre capacité yo pour négocier terme de référence, accord qui pral gagner pour force ça capable encadrer la police pour faire travailler comme ça doit. Ancien parlementaire qui par contre bourrait de force multinationale sécurité hein, mandé conseil présidentiel là, utiliser toutes compétences liées à disposition dans domaine ça, dans l'idée pour établir autorité l'État sur tout territoire national là. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Et dossier Haïtia, l'été dans le mi-temps briefing qui fête chaque jour dans les Nations Unies. En allant à Pibri. Porte-parole Nations Unies, Farhan Haq, dans une rencontre chaque jour avec la presse, by information tout neuf ligué sous sa collègue li fait en Haïti, dans sa qui gagne à revoir avec assistance. Rapport ça qui sorti dans l'Organisation Mondiale l'a précisé, lundi à mardi, Programme Alimentaire Mondial PAM distribué environ 10 000 plats chauds by environ 5 000 déplacés dans zone métropolitaine dans Port-au-Prince. OIM distribué de l'eau dans deux sites qui accueillent moun qui déplacé, donc moun qui quitte Kayo à cause gang armé, et li fournit aux soins santé grâce à une clinique mobile. Toujours d'après briefing monsieur Farhan Haq, après évaluation sous incident violent grecier yo, PAM planifié pour faire distribution repas chaud dans zone nan. Dans capitale la même, PAM commencé sorti dans repas chaud pour faire plutôt transfert en espèces pour moun qui déplacé yo. Jusqu'à présent, en parlant aujourd'hui mercredi 15 mai 2024 là, plus passé 37 000 moun recevoir l'argent liquide. Dans semaine qui vient là, PAM prévoit fournir assistance en espèces qui donc l'argent by 95 000 moun déplacé. Parole l'ONU a fini pour préciser encore, PAM a continué à faire distribution de produits alimentaires dans la Cité Soleil. Il y a plus de 65 000 personnes qui commençaient à recevoir manger depuis vendredi qui se passait là. Et l'objectif agence là, c'est de toucher 95 000 personnes d'ici finissement semaine. Dans le cadre du programme cantine scolaire, PAM fournit manger by 195 000 écoliers à travers tout le pays. Et puis l'autre point dans l'actualité toujours concernant le pays d'Haïti, autorité Bahamasio voyait tourner 125 citoyens ou bien qui t'a vivre en situation irrégulière, ça veut dire sans papier, ou bien ils rejoignent dans la main. Nous avons un reportage, Gérard Maxino depuis Cap-Haïtien. C'est à bord yon vol chater que autorité Bahamasio voyait tourner mercredi 15 mai 2024 là, yon groupe 125 compatriotes qui t'a vivre dans le pays Bahamas. Selon responsable régional, Office National Migration, hein, Kevin Augustin, c'est dans la mer, Yokembe, puis fort dans rapatrier ça. Jodi a autorité Bahamasio rapatrié 125 compatriotes haïtiens dans l'aéroport Cap-Haïtien. Ce sont des personnes qui ont fait tentative pour quitter Haïti par voie maritime illégale. Quel plaisir dans rapatrié qui fait VOA Creole connaît, yo ta vive Bahamas, cependant, yo pas légal. Passé 7 mois dans Bahamas. Elle dit, je suis sorti le 7 mars 2023. Ok? Je suis venu aujourd'hui là et puis je suis déporté. Je suis allé légalement sur papier. Je suis arrivé, bon. Papier, je suis fini, je suis pas à jouer de travail pour me renouveler, je suis venu malade. Je suis fait expérience pour me quitter le pays, je suis venu dans l'autre pays, puis plus loin. Je suis voisin.
Mais ça pas arrivé fait, nous arrivé tourner. Nous venons arriver kembe nous tourner. Compatriotes, ça yo expliqué, yo passé en pile misère dans moment immigration Bahamas, te kembe yo et te voyé yo dans prison. Mais c'est sous bleu kembe, mouvé. C'est pas trop bon ba yo te bon pour nous dans comme là. N'importe qui nous connaît plus que pays de pas bon par président yo mal regardé. La caille voisin. N'importe qui on fait même pas l'eau parler fort avant pour bâton. On va garder gain plusieurs dans nous là pour un mauvais coup. On va parler seulement. J'ai balayé tellement grave pour nous j'ai mal traité nous là nous prendre bateau n'aller mal regarder nous, je prendre traité nous trop chien. Je fais nous ça yo battre nous pas gain la parole devant eux, nous pas gain la loi devant eux, yo mal traité nous gens veulent battre nous. Moun pour pas mettre la mitan nous, mettez moun fou la mitan nous. Ça venir nous venir sortir comme un monde fou. Nous obligé t'as cherché la vie pour nous recommander comment nous utiliser nos bagages, j'ai nos bagages là. Après, c'était là que c'était planté, je vais planter, Ça me casse le travail, je vais aller, bout de sac là. Tant que je prends l'immigration dans le pays. Maltraité, non, petit bagage que nous, traité dans les minuit pour nous appeler, je vais compter, les finir encore. Nous mal mangé, petit bagage là, je vais mal nourri. Et puis nous quittons petit, nous sentons mal à l'aise. Et puis il y a maltraité nous encore. Pour nous même dans le pays de la Bahamas, nous sommes passés en pile misère. Ils battent nous, après le sous nous, les finis, les ovines, côté, côté nous, non, les pour nous vivre pour côté nous lever, nous comptons les minuit. Mais l'autre, les ovines, ils pas mettre stable. Les ovines, si nous avons bien, après le sous nous, ils ont monté sous nous. Puis il faut rapatrier ça, au fait qu'on est, c'est insécurité, mauvais la vie, qui fait, il y a risque de vie dans la mer. Puis il y a la vie mieux dans le pays Bahamas. Gérard Maxino, Cap Haïtien, pour la fin d'Amérique. Merci Maxino. Actualité à peine nous connaissons dans le pays Brésil, côté quelques Haïtiens obligés de quitter la caillou à cause de gros inondations qui frappent Rio Grande do Sul dans le pays Brésil. Chelsea Jean-Baptiste, gain détail. Autorité concernée yo continue à faire diligence dans Rio Grande do Sul pour sauver et porter si pas nécessaire bay moun ki victime dans inondation yo. Comment ça y est pour communauté haïtienne là? Et Jonel Charelu, c'est une parmi moun qui obligé quitter Kaili à cause de l'eau qui envahit espace yo. Vendredi et puis pour venir samedi, le me lever dans samedi matin, gen un espace bon bas la kay moyen, moi pas de l'eau pas kon dormi là-dedans. Et puis moi de l'eau ou aller me garder dans fenêtre là moi ouais de l'eau à plus bas et moi ouais gagne un espace tout qui pas une ravine moi ouais de l'eau à passer descendre et puis il me relé leader l'église côté marché m'a dit que yo alerté nous zone là ca inondé donc qui ça pour nous faire récemment il dit nous et bien quitter zone là vinn joini donc moi li dans un municipal moi dans l'autre municipal et puis moi fait un petit temps mais après le mois de l'eau avancer vinn puis près. Et puis, moi, prends madame, moi, avec Simon, nous fait, nous prenons machine, et puis, nous montons. Mais à l'arrivée, il me fait, après deux heures de temps, moi, retourner. Il me retourner, moi, je viens de l'eau à tout près, barrière, là, quand même. Et puis, vous voulez aller plus fort, exactement. C'est, on est, moi, en dedans, pour toi, à l'église, directement, mais moi, dans un bayo, disons, un quartier qui est Sarandji. Donc maintenant zone là en pile mon sorti dans Sarandji venir dans zone Gravataï côté moi-même moi hier. Donc ou capable gagnon municipal qui puisse toucher qui les Canoas, si une zone qui les Mathias Verle, zone ça les toucher en pile. Jean-Éric Joseph, un leader qui a porté si Paul dans moment difficile ça, bay moun qui n'a abri provisoire yo, fait qu'on est recevoir quelques informations comme quoi gen haïtien qui subit zak discrimination dans moment ça. Nous recevoir notification de cas de racisme et puis xénophobie qui a répété dans Abligouyo. Et donc, depuis hier, moi-même personnellement, bon, pas moi-même seulement, et moi, j'ai apaisé, fait plusieurs ponts entre quelques leaders immigrants, et peu importe au niveau ville, et puis peu importe au niveau national, tout, justement pour nous chercher alternatives.
avec plus passé 400 municipalités qui inondées, environ 80 000 monde déjà dans abri provisoire, plus passé 100 monde mourir, blessé et disparaître, c'est plus gros catastrophe naturelle, Rio Grande do Sul, qu'on est depuis 40 ans. Chesley Jean-Baptiste pour VOA Créole. Merci Chesley et VOA Créole ou bien rendez-vous info. Apmenez nous qu'on y a dans Floride, manger haïtien, cuisine haïtienne avec Jude de Ronceret. C'est samedi que ça te passé là, sous l'audience Ville Notre Miami, mais avec commissionnaire Marlène Bastien, que Gourmet Creole Haitian Food Festival a déroulé dans l'État Floride. Sorti dans Fait Épice, en passant par Paté Codé, pour arriver dans Maïmoulin, Pifo Plat Haïtien était disponible pour le grand public goûter et acheter. Pour Pipiti, 5 chefs haïtiens étaient exposés qu'on fait manger dans le festival La Manja Island. Parmi nous, chef Chosen, qui sorti Atlanta, Georgia, pour venir participer, et lui gagner propre épicerie sous marché. Chef Gabi, qui a plus passé 30 ans d'expérience. Chef Fortune, qui a couru sous plus passé 3 ans dans le domaine. Chef Louisa, qui a 40 ans d'expérience. Avec Chef Rob, qui a 20 ans d'expérience et qui a choisi dans l'occasion pour te préparer des qualités pâté codé. Nous avons décidé de faire farine avec John John. So farine, c'est John John. Mettez l'autre épice là-dedans. On m'a fait des qualités pâté codé. Une traditionnelle avec un sort avec hot dog. Et puis m'a fait une seule en sort seulement si gen, si gen moun ki va manger hot dog, qui va manger viande du tout. Star, c'est farine John John. Bon côté pali, chef Louisa, qui t'a préparé divers manger la caille dans l'occasion, te baye disons li sous festival La Manjaï là. Bien content aujourd'hui, hein? Moi tout le monde est content, jeune chaka, jeune tout manger que pas manger longtemps, ça fait au son, ça fait au son pays. Dans finissement journée, VOA Créole, t'es parlé avec commissionnaire Marlène Bastien qui t'a donné plus de détails concernant Gourmet Créole Haitian Food Festival dans Ville Notre Miami. Bon, depuis mon commissionnaire, c'est la première fois que m'organiser Food Festival. Mais l'année dernière, nous avons différentes activités, mais année ça, nous inclut festival manger hein, pour encourager tout notre groupe ethnique, pour encourager tout notre groupe ethnique. Pour venir goûter manger haïtien, non seulement manger haïtien, mais pour faire connaissance avec culture, nous, musique, nous, artisage, nous, toute qualité de ressources dont gagner pour montrer belle culture pays d'Haïti, donc gagner aujourd'hui et dans différentes activités n'a fait, on a toujours fait ça. Quelques participants ont exprimé satisfaction yo et pas regret qu'ils étaient présents. Parmi nous, y a un citoyen qui pas gagné longtemps depuis le sorti dans le pays d'Haïti et habité dans l'État Floride. Moi haïtien organisé, moi autant que me fait venir dans pays là. Bon moi haïtien vraiment organisé. Là au dehors bon on est content quoi parce que première fois m'passe participer là-dedans. Moi c'est un bon bagage. Faut aller en belle en pile parce que li gagne en pile produit haïtien. Li montre gagne une série de stands qui montre qui gens pour faire piclise, gagne une série de stands qui montre épices haïtien et gagne une série de gens yo présenter manger haïtien hein, qui fait que li promote culture nous. Non pam, c'est juste de on serait pour VOA Créole dans ville North Miami état Floride. Voilà, et on nous dit nous gagne un peu de manger nous pas manger. Bon, Washington, nous mangeons, nous mangeons, nous petit chaka nous bois ici à tout. Donc, nous souhaitons le que nous avalons l'autre bois. Et puis, pour nous participer, tant que Jude démontrer, participer là-dedans. Nous pratiquement arrivés dans le fin programme, non? Et bien, gros nouvelle là au niveau international, c'est dans Slovaquie, côté Premier ministre Robert Fico, qui a 59 ans, son leader pro-russe lui-même, qui recevoir 5 balles alors qu'elle était dans une réunion dans Andlova, et qui côté que Begoissa qui venait si au bal 5 balles et lit toujours entre la vie et la mort d'après dernière information qui vient de nous et que au bal dans une conférence pour la presse. Donc le capable c'est hélicoptère ça qui était obligé à le prendre pour Premier ministre Robert Fico pour te mener l'hôpital et dans moment n'a parlé là il toujours dans salle d'opération côté que il y a SOS yo ka stabiliser parce que dans moment n'a parlé là la ville pas stable puisque là il était toujours dans état critique d'après ministre intérieur Matous Soutage et Stock et président dit son bagage inacceptable et gan pile réaction qui sortit à travers le monde notamment dans Washington président Joe Biden dit c'est yon viol on gros violence et gain Olaf Scholz qui c'est chancelier allemand qui réagit sans blier secrétaire général et organisation mondiale là les Nations Unies et ben lui même tout il réagit donc n'a su pour situation toujours été compliquée pour Premier ministre là c'est là nous mettez fin dans le programme c'est un plaisir comme d'habitude et nous saluons tout le monde qui t'a aidé nous mettez nouvelle ça programme ça sous pied Jean-Marc Hervé Abela
Gentil Augustin Junior, le magicien, Samblier et Zaminon Sibas et... N'oubliez tout le monde, et bien nous dit c'est Jacques Lembelizer et à demain. Tout ça qui a passé en dedans pays, côté au partage sympathie avec famille, amis, monde qui victime de cette violence que bandits vivent ensemble a fait. Et au partage sympathie tout avec famille, amis, policiers qui tombaient dans l'exercice fonction. Et dernier chiffre là, lui révélé, selon plusieurs syndicats qui ont dedans la police, pour année 2024 là, c'est 18 policiers qui déjà perdu la vie en bas coup de zam. Bandi qui a opéré dans le niveau capital pays à l'institution. Nèg ak zam yo, pas suspend, fait servir comme cible, commissariat, sous-commissariat, dans diverses régions, dans divers départements, dans diverses communes en dedans pays d'Haïti. Ça qui la cause, Gary Jean-Baptiste, qui se porte-parole syndicat police, qui baptisé SPNH 17, lui mandé pour révoquer et arrêter directeur général police nationale d'Haïti. Il fait quoi que France LB, qui est directeur police nationale d'Haïti, incapable, incompétent, il fait quoi que France LB échoué dans la mission qu'il gagnait. Gary Jean-Baptiste continue pour le dire, syndicat a voulu pour conseil présidentiel transition, qui fait qu'installer, réclamer démission LB, et puis pour bail, autorité justice sur l'ordre, pour lancer une enquête sur crise que le pays a connaît face à face avec question de sécurité à blessé personne. Alors, un syndicat qui est dans la police, qui doutait fort comme ça de mon directeur général de la police, pas oublier que Gary Jean-Baptiste, c'est un policier qui est lié. C'est vrai qu'il fait partie de un syndicat, mais c'est un policier qui est lié. En fonction, yeah. En fonction. OK? Lui entend pour demander, pour mener enquête, sous ça qui vient dans le pays, hein, côté bandit, a entendu pour prendre ensemble des commissariats, sous-commissariats et tous les policiers. À cause de laxisme, irresponsabilité et autorité qui dans la police, hein, respectivement, Franz LB, qui préparait tout simplement dans mettre belle veste, dans mettre cravate pour aller recevoir matériel dans main ambassadeur. Ambassadeur des États-Unis pour aller défiler sous tapis rouge pour aller recevoir équipement. Qui équipement? Est-ce que c'est équipement de combat qui pourrait permettre que bail sécurité? Mais non. Blaise Peterson, bandit au suspect. Bandit tellement suspect, il a fait voir sorti pour montrer tant qu'au bout de bas, dit moun ki a proposé content que blanc pral vini li même li gen cob li ka parti ki te pays a madame ni a petite pa nan pays a c'est moun sa yo qui est Boudba. Oui Boudba, c'est déclaration Boudba. Boudba déclaré le mal fini volé li pa jwenn pou la prepay, ça veut dire mission c'est moun yo ki nan quartier populaire c'est eux même que pral vin massacré et ça qui permet plusieurs dans réseau criminel assassin sa yo utiliser moun qui dans zone défavorisée qui gagne gang capté voler là-dedans yo yo servi avec comme bouclier humain et yo entend pour faire moun sa yo prend la rue pour dire non à, avec vini mission dedans pays a et ou a des moun qui prend responsabilité ou même qui dit gang pas fait mal rien gang pas fait peuple rien capte non dame a exprimer comme ça pour abdi le mensonge pas faire moun rien au contraire le mensonge sont sauver qu'il y pour lui dans zone là moun ça alors a regarder ou pas dire c'est Perez qui fait la parler parce qu'il campé devant caméra devant micro pour prendre responsabilité ça sans pas cagouler dit d'accord qu'elle fait partie gang là dit traiter soit la police ou bien militaire qui a venu de Babylone même quand tu as stress ou tu as pression ou besoin limiter son ensemble de ça que ou a dit ou besoin garder ça ou a dit qui pour yo qui importance que yo gagne malheureusement ensemble moun qui s'est opprimé, m'a orienté. Ensemble, moun qui séquestré, axial ouvert, en bas bandit, qui pas qu'à déplacer dans le quartier, blessé personne, bandit a utilisé pour faire passer opinion qui en faveur, juste pour être capable, chaper pour lui, pour faire diversion. Malheureusement, Blaise, bagala pas facile dans le pays d'Haïti. En pile matériel continue à débarquer dans l'aéroport international Toussaint Louverture. C'est presque chaque jour. Jean, département d'État t'a annoncé, c'est environ 100 vols que vous avez bien sous pays, et bien vol yon pas campé. Dans l'aéroport international tout seul ouverture. En pile dans yon, c'est matériel que vous portez pour construire baza. Et en pile dans yon, tout déjà vini avec munitions, zam que mission a bien pour besoin. Pas oublier, mois de mai, la pas avancé, li presque arrivé dans fin. C'est dans fin mois de mai, vous avez fait quoi que premier pour cap déplotonner dans le pays, a déplotonner. Tant qu'on garde la situation, il faut que monsieur et dame qui dans le conseil présidentiel aient des graines dans les graines. Il faut que vous ayez des graines dans le monde. Tant que vous avez l'autre attaque à dire, pour assumer la responsabilité,
protocole d'accord qui a signé ensemble des matériels qui viennent là yo yo pas ni doit tourner pour y aller pour y aller au Kenya. Nations Unies pas ni doit réclamer pour y retourner parce que c'est de l'argent qui investit pour sécurité pays d'Haïti. On va venir là en bas en apparent blindé yo et puis ou lever tout blindé ou mettre dans bateau ou à la veille. Et puis après 2-3 ans, problème de sécurité a tourné dans well, peuple haïtien, yo pa konn ki sen ki yo dwe adresse. Yo besoin de caractère, yo besoin de dimension. C'est pas tout simplement voye message bay bandi yo. Voye message bay bandi yo, c'est soit di yo pou yo maon parce que di yo men ko baga k'ap vini kont yo. C'est arrangé qui k'ap permettre que opération en temps mais n pa wè l'espoir de situation parce que la police qui là avec la MEA, te dwe tanmen avec ensemble avec série d'opération yo à l'encontre des bandi yo. Malheureusement, ce n'est pas ça qui a fait. C'est celle miscadée autorité dans le pays d'Haïti. Dans le moment qu'il a parlé là. Tout l'autre monde, c'est civil. Tout l'autre monde, c'est bandit. Miscadée prend responsabilité. Il servit avec moyen. Il servit avec ZAM. Quelqu'un d'ailleurs, d'où c'est ZAM. Il croit sous ZAM. Il va nous mettre un petit soutane sous lui. OK? La marche rencontre bandit dans quatre coins. Nous besoin l'autre miscadée en dedans pays. Est-ce que. Monsieur Damien qui est le conseil présidentiel là, pas traité Miskadé, un parent pauvre, même Jean Ariel Henry, avec le ministre de justice qui l'a, Emily Prophète Milsen, c'est à travers la population diaspora qui fait au paquet de retirer Miskadé dans le poste. Yeah. Comme ça, on a retiré Miskadé dans le poste déjà. Regardez, vous qui bande face à droite, mais si avec Bouchou rapport, il y a peut-être retiré Miskadé dans le temps ça. Retirer Miskadé, c'est dit, il y a livré le pays avec gang. Parce que chaque nègre, qui est gang, dans quel que soit département, dans quel que soit région, dans personne. Il y a prié, oui, pour ne pas jouer Miskadé dans la juridiction, par yon, parce que Miskadé ne peut pas jouer avec yon. Yon kon Miskadé ne peut pas quitter le terrain libre, parce que Miskadé dit, gon seul côté. Bandit kal repose, c'est dans le cimetière. Parce que on va faire moun crier, ou même faut qu'on crie tout. Dans personne, nous pouvons l'analyser, nous pouvons le questionner. Et, il y a un, dans le conseil présidentiel qui parle, nous devons attendre, là, dans le calfou vérité. Fout Alphonse, monsieur Chapé pour lui. Monsieur Koury quitte, président ça, passe par la présidence tout notre. Monsieur Calvin parle avec les Parisiens, dans le calfou vérité, sous mes sacs nouvelles, Blaise Info, Point Nouvelle, votre calbas info, Racine Nouvelle Haïti. Et en dedans, si causerie ça, que Fritz Alphonse Jean, président à Comontana, pour le partager avec nous, nous pour le connaître. Niveau hypocrisie qui est dans le conseil ça, nous pour le connaître. Mafia! Bataille qu'a mené là, il n'y a pas d'intérêt peuple là. Parce que chaque nègre, il y a un bagage qui est visé, Blaise Peterson. Désir, j'aime de dire là, gagné un sénateur Jean-Hector Nakassis, qui officiellement déclaré, avec qui déclaré candidat, ça veut dire, il dit que l'IOL, l'IPOTE comme candidat, il voye une lettre, par conseil présidentiel là, et il voye voye CV, document qui est demandé. Anakassis qui est engagé pour collaborer étroitement avec conseil pour contribuer dans le redressement pays. Monsieur Anakassis qui est engagé, il fait référence avec une carrière qu'il a gagnée, carrière politique, expérience et formation, et il exprime volonté pour le travail sur un projet avenir pays. Ancien sénateur l'Ouest pays, Jean-Hector Anakassis. Lydie l'a mette à la disposition, membre conseil présidentiel, là, pour yon discuter, pour des discussions approfondies, selon ça, le fait qu'on est pour évaluer nécessité qui gagne là jeudi, hein, par rapport à ensemble des problèmes qui gagne là. Et pour nous dire que, dans notre ça, Anakassis, n'a pas rappelé, lui-même, c'est ancien sénateur, c'est ancien dirigeant, c'est toujours dirigeant. La paix, et nous connaît la paix, c'est lui-même. C'est pas un Jude Célestin, hein, qui était d'accord qu'il était négocié pour te vendre l'élection et pour te bailler l'élection Jude Célestin, hein. Et puis en plus tout, on a cassé fait de gros dénonciations, on a changé. L'LT, c'était sur la mode, si je me trompe. Il était dit qu'il était prêt à couper, mais il va prendre couper, il était prêt à poste dans, comment, dans la question ambassadeur, vous comprenez, David? Mais attendez, de Blaise, prends couper, ou prends couper, ou pas prendre poste, c'est même bagarre là, monsieur. Oui, mais il était dit qu'il va prendre couper, il était dit qu'est-ce qu'il était prêt à couper, mais il va prendre couper lui-même, il était dit, mais ça, il était prêt lui-même. Mais prends poste là pour faire qui ça, et pas pour te faire couper, il était prêt poste là. Ah, mais il est clair, il est clair. Quand il y a un gars de Blaise Fesson, est-ce que Jean-Hector Anakassis, il fait partie du monde qui était dans l'accord politique 3 février 2024 là? Et bon, quand il y a là, il n'a pas fait partie, mais il y a un secteur qui choisit, il va me connaître. Parce que il y a un gars qui a et je dis à la, on a saisi, ouais, comme si là, c'est pas blé, il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait dans son Blaise, qu'est-ce qu'on a là? On sait que tu as choisi Blaise Peterson pour le premier ministre? Non, je n'ai pas choisi.
ma compétence parce que gien les qui là qui va même gros bout de papier même gien qui et qui passe dans tes pays là soit comme sénateur député il va même gros bout de papier filoreto même me songe je me défonti je me devais filoreto pour te faire des trois jours kaiko yo me faire des jours kaiko c'est pour papier ça c'est pour papier ça me présenter vous comprenez et en plus me bon quelques pas me sont figure publique par rapport avec domaine moi mais et m'a besoin ça qui t'aime là côté que pour mes des amis ou comprendre plus bien ça qui a passé dans un pays, même pas besoin pas ça parce que mais si comme si m'da là tout gapin leg là m'garde m'da faire marcher SS parce que équipement voleur on n'est pas qu'à finir contre d'écraser pays là nèg a gagne section sous dol nèg a go plus bagage sous dol nèg a fait dénonciation sur des anciens collègues qui étaient gagne dans parlement et José nèg a vle ville montre que oh libre redresser pays ça mais c'est non libre redresser pays ça libre remettre pays ça sous rail. Alors que moi toujours dit bagaille là ça paye à vivre là c'est résultat conséquence mauvaise gestion mauvaise gouvernance grande dernière année classe politique qui passe là et je veux dire c'est même nek sa yo qui veut venir dire que yo conseil présidentiel yo besoin premier ministre yo besoin si yo besoin ça et pour être capable continuer voler continuer piller en dedans pays des Ivennes nous va venir avec et Blaise Romel Bell n'a raconté dans question corruption. Et bien, la douane n'est pas lui-même? Oui. Okay. Juge instructeur Jean-Wilhelm Morin, okay. Il rend ordonnance le 8 mai 2024 qui s'est passé à Romel Bell, Anna Dorville Bell et Père Dickens Augustin Mounsayo, yo voyo devant tribunal criminel pour y al juger sans assistance du jury pour blanchiment des avoirs et finance du terrorisme, complicité dans blanchiment l'argent, faux déclaration patrimoine. Enrichissement illicite, association malfaite et ensemble charge qui pesait sous dos Romel Bell, nèg la douane, nèg sa qui fait ça ou vle, ak sa hôpital, ak l'argent qui a collecté dans le trésor public là respectivement dans la douane. Et nèg sa yo, secteur privé des affaires, c'est joué yo, c'est pion yo. Au clair. Mm-hmm. Clair. Ça normalement, il va le passer comme une lettre à la poste. Pas gen un et trois sérieux qui a fait parce que nèg yo entend yo. Dans la vague corruption qui gagne dans le pays, il a crasé la justice, les invitations. Bon, décision de dire, et nous pouvons permettre de dire, c'est pas les derniers temps, nous faisons ça dans l'émission, hein? Ou même qui peut-être raté interview ça que conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean, qui se représentant équipe Akwa Montana dans le conseil présidentiel transition, hein? Même d'accord, ancien président Akwa Montana, parce que Akwa Montana n'a pas gagné encore, presque comme si nous l'a dit dans la question présidence. Le maire président, encore? Non, mais tu es brisé bagage ça là. Non, même pas qu'on arrive Blaise. C'est Canarin, vous allez. Il n'y a pas qu'on arrive Canarin. Tout le temps, qu'on arrive Canarin. Fritz Alphonse Jean était président. Hein? Parce que rêve Fritz Alphonse Jean, c'est un président. Hein? Non, mais. Mais mon colon, mais mon bon rêve à la président. Hein? Non, mais c'est déplacé à bas, Smith Augustin. Non, condition pas claire, mon cher. Condition pas claire, c'est Dilly et Blaise Person. Comme ça, mon. Son Dilly. Même si on a tâté tout, il était fait négociation pour le premier ministre. Eh bien, Fritz Alphonse Jean font négociation. Il t'a prêté colnet. Il t'a prêté colnet dans le conseil présidentiel de transition. S'il pas t'a plat donne. Parce que si vous t'es désiré, vous t'es choisi parmi quatre personnes qui t'ont vu dans la présidence tout notre là. Et vous t'avez le désiré après 5 mois. Ou estimez que c'est une violation des accords qu'on a dessiné ensemble. Ou estimez que c'est manqué des gars. Ou t'as rien que la République ouais, ou pas participer dans le temps de conseil, dans le temps de traite, qui livre le pays à l'étranger, ou t'as prêté quoi. Non, conseil, c'est ça, au moins, qui t'a bien plus poids, qui t'a bien plus force, mais bon, toujours là, négociation qui est liée. L'éclair. Pablo, dit nous ça, des Ivennes, mon qui va venir premier ministre pays, ça. Mon qui va venir premier ministre pays, ça. Je ne sais pas qui secteur l'a sorti. Mais, m'a dit nous ça. Libéral vraiment une marionnette. Libéral vraiment un premier ministre, et comment, j'aime des bois campé, oui. Là, c'est comme une photocopie la pied. Parce que pas oublier, c'est négociation 5 sur 7 qui va faire pour mettre. C'est ce conseil qui va accepter voter pour le cas passer, mon qui va venir ministre. Et c'est pour voter. Et sur négociation pour le poste ministère, poste direction générale. Très bien samedi. Hein? Très bien samedi. Hein? En tout cas. Et je dis en désir, Fritz Alphonse Jean, monsieur. Qui était en interview avec un confrère nous, qui c'est Wendell Théodore de Radio Télémétropole, et dans l'émission Le Point. Je vais inviter les amis pour
prête étendre interview ça pendant que moi même avec Desi Venesse j'en nous fait bien souvent n'a si calé noter écrit chaque petit point qui est important que dans ça que Fritz Alphonse Jean dit là yo. Et puis moi avec Desi Venesse tout gien deux points que monsieur dit là n'a jugé nécessaire dans question que confrère Wendell Théodore pose à monsieur et dans réponse que la baille tout pour que nous même nous fait plus lumière sur ça pour nous désir. On va mettre ça, on dit ça. C'est peut-être qu'est-ce qu'on nous écoute. Mais un salut spécial pour le monde de la région Nord. J'ai subi un pile la semaine dernière. Et tout le monde grecier qui s'est subi, et ça, comme on connaît, se passe dans le commissariat grecier. Mais évidemment, nous connaît que la police nationale a fait tout ça qu'elle connaît pour reprendre le contrôle de la zone. Il a déjà repris le contrôle et le commissariat en tant que tel. Donc, nous, même au niveau du conseil, c'est justement c'est ça qu'on a gardé comme priorité, priorité de sécurité en le pays. Donc, C'est difficile ça tout passer là, mais nous assurons que a bien un processus très clair pour poursuivre, nous assurons que vous prise de contrôle là et territoire là. There's one simple. Yeah, right, mes amis, on commence là, tout commence bon comme ça. Ça fait là. Bon, on va faire ça. Ou pour que Fritz Alphonse avec toute lucidité, il y a un amour particulier pour moun nan nord. Et premier jeu d'intelligence qu'elle fait dans l'interview ça, Blaise Peterson, regarder point d'actualité qui c'est Grecier, qui se connaît en situation qui est extrêmement difficile. Et lui parler de la police, malheureusement, ça c'est une hypocrisie qui fait, parce que ce n'était pas Miss Cadel, t'as difficile pour te jouer une présence de la police aussi rapide comme ça, parce que côté plus près direction générale de la police, qui subit tentative saillot, ou bien qui victime, ou pas jouer une présence de la police aussi rapide comme ça. Moi-même, parce que c'est purement hypocrisie pour ne pas avoir crédit avec Miss Cadet qui permet que l'intervention ça arrive et aussi rapide comme ça, Blaise Peterson. Mais le bagage m'a dit tout, m'a dit ça avec monsieur dame qui l'a yo. Ne pas venir tourner, et comme il a dit là, de ces citoyens qui ont condamné et dénoncé. Comprenez bien ça, m'a dit à laissez Ariel faire tout le temps avec comment France LB et puis. Et comment, et papa la police a gardé aussi. C'est condamné, dénoncé. L'ENC autorité, nous avons condamné, dénoncé, critiqué. Parce que l'ENC autorité, et nous avons monopole l'État, non, mais nous, c'est agi, on agit. Nous avons compris que, il y a une dîme qui est condamné, nous, c'est signé, c'est là, mais non. En tout cas, Fritz Alphonse Jean, nous trouvons que, pas de problème jusque-là, mais on essaie de garder ça. Donc, prise de contrôle là, du territoire. Là. Alors, c'est pas que moi un petit peu mes zins, c'est pas ça, non, président. Mais bon, acte opposé dans le week-end là, après on a posé cette question, c'est un acte plus ou moins, je dirais, surprenant, c'est pas bagarre qui fait souvent, ou retirer corps pour bailler l'autre monde place ou comme pour venir soulever coordonnateur ou bien président du conseil. Qu'est-ce qui motive vous pour qu'ils soient fait ça? Et comme toujours, sont une action composée, mais qui surprend un peu le monde. Pour qui ça? Et bon, surprise là, je ne vais pas finir trop comprendre surprise là. Peut-être une mauvaise compréhension de qui ça conseil là. Et mauvaise compréhension, ça, ce n'est pas seulement pour le monde qui est en dehors, pour le public là, mauvaise compréhension, ça. C'est pour le secteur qui voulait des bonnes dans le conseil là. Nous n'avons pas réalisé que le président. C'est le conseil qui est le président. Donc, toute décision qu'il peut prendre dans le conseil-là, il peut le prendre en concertation. Donc, il faut un consensus. Sinon, s'il n'y a pas un consensus, il faut nous gagner une majorité de 5 sur 7 pour les décisions les plus importantes. Donc, ça veut dire, monde qui peut participer, monde qui peut jouer le rôle de coordonnateur conseil-là, c'est son rôle de coordination que le palier, son rôle de représentation des fois que le palier. Mais en fait, le président, la présidence, c'est le conseil. Donc, rôle que vous pensez que le président va le jouer là, et c'est pas rôle ça, c'est pas rôle traditionnel là. C'est l'autre rôle que le président va le jouer. Donc, nous-mêmes, nous disons. Donc, c'est pas sept présidents, mais on structure, c'est le conseil qui est le président. C'est le conseil qui est le président. Donc, toute décision supposée prendre, soit par consensus, soit par la majorité de 5 sur 7, si gagne le gain de décision, et puis par la majorité simple, le gain des décisions qui sont moins importantes. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre que sous tes présidents là, et que tu es cadeau, que mon paquet de privilèges, permettre que je lui ai un petit morceau dans le privilège, un petit morceau dans le gâteau, parce que c'est vous le président du conseil. Non.
Non, privilège, oui, Wendel, c'est que comme économiste, moi avec Jean-Jules, nous avons toujours le privilège que je dis nous comment la situation économique a évolué dans le pays. C'est ça. Et une question pour vous dans ce sens-là. Alors, c'est une façon de parler.